plate. Ils appelaient à tel jeune. Moi, j'étais tout le temps là, puis j'étais toute excitée pour eux, mais j'étais pas capable de le faire. Donc, j'étais un peu plate. T'étais l'assistante de la personne qui faisait le mauvais. J'étais pas capable de le faire. Ils me donnaient le téléphone, ils me disaient, vas-y, appelle, puis invente une histoire, puis c'est comme, puis je raccrochais à la dernière minute. C'est pas de vérité, je vais essayer de penser un peu plus, là, mais. C'est j'ai été trop enfant. Je vais raconter. Pas trop pire. Nous autres, dans le village, il y avait l'accueil, là. C'était où ce que l'hiver, on allait mettre nos patins pour aller patiner à la patinoire, là. Fait que c'était un petit local, comme dans n'importe quelle place, là, où tu sais chauffer. Puis à un moment donné, durant l'automne, on l'avait défoncé. Puis mon chum, il était rentré avec son cross là-dedans. Puis c'est petit, là. C'est gros comme ça, là. Là, c'était les chauds boucanes, puis toute la grosse affaire, puis on vidait, l'instincteur, on le vidait tout le temps. Puis on avait tout beurré, puis fait un chaud boucan, ça, c'est, voyons, comment t'appelles ça, du terrazzo. Puis quand les polices étaient arrivées, on était genre une douzaine de flots dans le village, puis on est tous sortis, puis on sauvait des polices. Puis nous autres, on s'est comme mis dans les estrades de balles, puis là, ils sont passés après le cross, puis... quand il a passé à côté de l'accueil, le char de police, mon homme, il était rentré faire play, là, le coin, il a scrappé son char direct dans l'accueil pis tout, là. Fait que nous autres, on s'est tous sauvés un peu chez nous, là. Pis c'était bien le fun. C'était bien le fun d'avoir... Non, mais c'est spécial, tu sais. C'était un moment donné, tu sais, on était 30 flots, pis on a pris un cocktail, on a fait un cocktail Molotov, pis on l'avait tiré dans le milieu du boulevard, pis les polices étaient venus, pis ils nous avaient couru après dans le village. On avait bien ça, tu sais. On était une gang de petits crises dans le village. Si tu tenais pas dans le village, t'étais une... Fait qu'il fallait être un petit crise, dans le fond. Je me rappelle quand même, on avait pogné un, disons, on était tous de notre shape. On avait une chambre, il était plus de la shape à Kevin. Puis on avait pris... on avait pris un rouleau de duct tape, puis on l'avait tapé sur la lumière du village en bobette. C'est drôle, ça! Lui, il trouvait pas ça drôle. Il était un beau 2-3 semaines sans nous parler. Puis on en faisait tout le temps un peu de même, là. Tu comprends? Tu sais, il y a un journal qui s'appelle Le Progrès Dimanche chez nous, là. Oui. Puis quand on est jeune et qu'on veut brosser, ça prend un peu d'argent. Puis il y a du monde qui laissait des enveloppes pour le dimanche matin. Puis le lendemain matin, il n'y avait pas de journal. On se trouve avec l'enveloppe dans le vite. Mais en tout cas, ça, on a fait de même, là. En tout cas, j'ai vidé plein de jardins. J'ai vidé des testicules de bœuf avec une carabine à plomb souvent aussi. SPCA, appelez la SPCA. Ben, moi, pour vrai, j'ai pas vraiment d'histoire qui se raconte. Cependant, j'ai une... la péripétie que je pense que je suis le plus fier qui a duré comme une joke d'un an, là. Puis que j'ai tellement été... quand j'avais 16 ans, je suis sur mon cours de construction, on était 4 colocataires. Puis il y avait une voisine d'en haut, c'était comme, tu sais, c'était comme des chambres, 4 en bas, 4 au milieu, 4 en haut. Puis c'était comme toujours le paroi en bas, nous on était au sol, puis c'était toujours le paroi, c'était épouvantable. Puis la fille du milieu, qu'on va surnommer Carrie de 4. Carrie de 4. Cathy, on l'appelait Cathy de 4. Puis c'était comme une fille qui arrêtait pas de nous dire, moi, vous pouvez me faire confiance, puis tu peux tout me dire, mais tu sais, la pire grand trappe en ville. Fait que nous, on s'était mis à s'amuser avec ça, puis à tout y raconter des histoires pas vraies pour voir si elle allait les dire. Mais je vous jure, ça prenait même pas 10 minutes. Mettons, genre, ma coloc, elle racontait, elle disait, ah, moi, puis Kevin, on se trouve pas un de notre goût, mais faut pas que tu le dises à Audrey. Fait que là, ça prenait pas 10 minutes, elle disait, Audrey, tu sais pas quoi. Fait que là, grosse histoire, on arrêtait pas de compter des mentries, puis ça m'est vraiment venu qu'elle est venue comme notre meilleure amie, mais c'était juste à sens unique. C'était pas à sens unique. Les quatre, on riait de tout ce qu'elle disait. Et un bon année, ça a duré comme pendant un an de temps. Et vers la fin de l'année, elle est arrivée en bas, et elle nous a dit, là, vous comprenez pas, mon chum me laissait, c'est l'homme de ma vie, faut que vous m'aidiez. Faut que je